Je ne vous demanderai rien. Vous me direz quand vous serez prête. Je sais que vous devez être terrorisée. Mais plus personne ne peut vous faire de mal maintenant. Vous êtes en sécurité. On va surmonter ça ensemble. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Oui, nous sommes tous là pour vous venir en aide. Fatma Ghoul, vous m'entendez? On va perdre notre travail, c'est sûr. On ne nous achètera plus rien, Rami. Et elle, personne ne l'épousera. Il y a quelqu'un de la famille de Mustapha là-bas? Eh bien, où est-il? Il ne la rappellera pas, c'est certain. Il a tout découvert. Ils ont tous les yeux fixés sur nous, c'est vraiment terrible. Alors, docteur? Ne vous inquiétez pas, elle va bien, oui. Nous pourrons tous lui venir en aide. Attendez, docteur. Qui nous viendra en aide à nous? Maudit sois-tu, toi! On avait trop bu. Oh diable, l'alcool! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu sais ce que ton père va te faire? Ton sénateur de beau-père va te faire vivre un véritable enfer! Et toi, abruti! Hein? Fais une croix sur la société. Vos vies sont finies. Qu'est-ce qu'il vous reste maintenant? C'est ça dont on veut te parler. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et maintenant, vous allez faire de la prison. Vous n'y échapperez pas! Fais quelque chose. S'il te plaît, aide-nous! Peut-être que l'un d'entre nous pourrait l'épouser. Ce serait un mariage rapide. Qui est-ce qui pourrait nous refuser ça? Ça, c'est impossible. Les lois ont changé. Épouse-la si tu veux. Ou ça peut être l'autre imbécile! Tu romps avec ta fiancée et tu épouses l'autre fille, c'est ça? Ça suffit, Munir. Mais enfin, vous étiez en manque à ce point? De vraies sales bêtes répugnantes, c'est ce que vous êtes! Tu dois nous tirer de là. Ça suffit, je t'en supplie. Ah oui, moi? Eh bien, tu dois arranger ça. Si le mariage de Selim est annulé, alors tu en paieras le prix. Quelle arrogance! D'accord. C'est ce qu'on a fait. C'est dégueulasse. Mais on planait complètement. On a dû être drogués. Ça doit être ça. Et maintenant, de la drogue! Écoute-moi, elle est allée à l'hôpital. La police est venue à la maison pour ça. La police est venue? Laisse-moi finir, s'il te plaît. La fille travaille à la crèmerie et elle n'a pas d'argent. Comment tu le sais, ça? On l'avait déjà vu. Alors c'était prémédité? Vous me dites que vous l'aviez déjà rencontré, hein? Non, ce n'est pas vrai. Pour l'amour de Dieu, achète la famille pour la faire taire. Juste comme ça? Je sais que ce n'est pas facile, mais tu peux y arriver, vraiment. Et tu vas le trouver où, l'argent, hein? Tu vas demander à Reza Tiasaran de payer pour faire taire la fille que vous avez violée? Je m'en occuperai. J'utiliserai les fonds de la famille auxquels j'ai accès, ne t'inquiète vous pas. Vous n'êtes qu'une bande de vauriens. C'est tout ce que vous êtes. Munir, s'il te plaît, je t'en supplie, règle ça discrètement. Pour le bien de tous, parce que nos vies entières pourraient être détruites. Je ferais n'importe quoi, moi. On est foutus, la prison, c'est pas un problème, mais pense à mon père. Pourquoi n'as pas-tu pensé à lui avant de te servir de ton pitoyable pénis? Ou même penser à ta famille? Pourquoi avez-vous détruit vos vies futures, bande de minables? Pour l'amour de Dieu, tu dois nous sauver. L'argent peut la convaincre, va les faire taire. Je veux te remercier pour être rentré comme je te l'ai demandé. Désolé. La seule fois que je te demande quelque chose et regarde. Bravo, que Dieu te protège. C'est bon, Ariane, ne t'ont pas laissé partir, c'est ça? Qu'ils aillent n'importe où, tu les suis comme un toutou. Waouh, regarde-toi, Kérim.
Où est-ce que tu as traîné toute la journée comme un clochard? Je t'ai demandé où tu es allé. Je te parle. Lâche-moi. Ne me pousse pas à bout, Mariam. Kerim, ouvre-moi. Kerim. J'ouvre la porte, Kerim. Va-t'en, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces garçons t'ont fait, hein? Est-ce que tu peux me le dire? C'est la première fois que tu cries sur moi. Pourquoi? C'est parce que j'avais raison, Kerim. Ces gars sont des vauriens et tu le sais. Et en plus, tu te défoules sur moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et puis, qu'est-ce qui t'a retenu tout ce temps? Kerim, regarde-moi! Kerim, regarde-moi! C'est tellement plus important que l'épreuve que j'ai traversée aujourd'hui! Je te parle! Qu'est-ce qui est plus important que la vie d'une jeune femme, Kerim? J'ai rien fait. De quoi parles-tu? Écoute, je te jure. Je te jure que je sais pas comment c'est arrivé. J'ai rien fait, d'accord? Oh non, non. Tout ce qu'on pourra. Je suis désolé. Merci, merci. Je m'appelle Mounir. Je suis avocat. J'ai appris ce qui est arrivé à votre sœur. C'est affreux, c'est affreux. C'est affreux. Oui, bien sûr. Venez, parlons-nous un peu entre hommes. Par ici, je vous en prie. Écoutez, je vous comprends vraiment. Oui, je vous comprends. Rami, c'est bien ça. Je suis là pour vous aider. Est-ce qu'elle a dit qui lui a fait ça? Elle pleure. Fatma Ghoul ne fait que pleurer. Ah oui, je vois. Bon, d'accord, elle n'a rien dit? Elle pleure. Ah, je vois. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Je vous laisserai pas tomber. Je me suis juste dit qu'il vous fallait un avocat. Merci beaucoup. Ayez confiance, je m'occuperai de tout. Merci beaucoup. Qui a trouvé la fille? Une femme, la sage-femme. Ebénine. A-t-elle dit quelque chose à la sage-femme? Elle ne peut pas parler. Fatma Ghoul ne fait que pleurer tout le temps. Je vois.